Excellence, président de l'UFDG. Bonsoir, Son Excellence, le vice-président de l'UFDG. Honorables invités et chers sympathisants et militants de l'UFDG, j'ai l'honneur de vous remercier très sincèrement pour cette visite à Chicago, réservée à rencontrer les militants et les sympathisants de l'UFDG du Midwest, restez enthousiastes et fidèles au parti, à ce grand parti de l'UFDG. Je profite aussi de ce moment pour vous féliciter les différentes distinctions reçues à Lomé et à Dakar. Au nom des femmes de l'UFDG Chicago, je commence par notifier certaines déclarations survenues pendant et après les élections. Nous avions tous constaté des atrocités inacceptables à l'égard des femmes en Guinée. La petite fille de 24 mois, atteinte par balle pendant son sommeil. Des jeunes filles et jeunes femmes violées à Conakry et à l'intérieur du pays, plus précisément à Lamé. Des militantes de l'UFDG emprisonnées injustement, précisément Madame Yari Brick Camara, présidente des Marieuses de Guinée, une influente membre du Bureau national. Ensuite, Madame Souma Fatoumata, présidente des femmes de l'UFDG Matam, et Madame Fanta Traoré, présidente des femmes de l'UFDG Dixie. Toutes ces braves femmes ont subi des traitements humiliants dans les locaux dégradés de la gendarmerie et de la police. Et je précise que ces femmes de Chicago portent ce foulard aujourd'hui pour représenter leur volonté et leur soutien à ces femmes emprisonnées et violées. Alors, je ne vais pas monopoliser, j'ai parlé au nom des femmes, donc je ne touche que des points des femmes menacées en Guinée et violées. Donc, nous vous remercions encore une fois de votre séjour à Chicago. Nous, femmes de l'UFDG Chicago, serons disposées à faire rayonner notre parti, l'UFDG, dans cette région des États-Unis. Alors, pour ne pas être très long, merci de votre attention aussi.